Sédou Kane est originaire du Mali, mais c'est au Gabon qu'il a fait fortune. Aussi puissant que discret, l'homme d'affaires fuit les médias. Au début de la pandémie de coronavirus, sa fondation s'est tout de même illustrée en venant en aide aux habitants de Libreville les plus affectés. Les 10 choses qu'il faut savoir sur lui. Né au Mali il y a 57 ans, à Madina Alahari, près de Nioro du Sahel, non loin de la frontière mauritanienne, Sédou Kane n'a pas oublié d'où il vient. Il y retourne d'ailleurs régulièrement, voyageant à bord de son avion privé, et il y est souvent accueilli par plusieurs centaines de personnes, fiers de la réussite de l'enfant du pays. 2. Librevillois. C'est en 1985 qu'il émigre au Gabon. Il a alors 22 ans et veut tenter sa chance dans ce pays à l'économie florissante. Depuis, il en a acquis la nationalité. Il vit et travaille dans le 2e arrondissement de Libreville. Devenu une personnalité en vue, il lui arrive d'être attaqué sur un supposé manque de patriotisme. À ses détracteurs, il rétorque qu'il est devenu gabonais par « amour du pays » et non en raison d'un quelconque opportunisme. 3. Ambassadeur itinérant. Les Kane, ses arrière-grands-parents, sont des Peuls. Originaires du Sénégal, ils sont arrivés au Mali lors des grandes conquêtes musulmanes, raconte l'entrepreneur. Ils ont fini par s'établir sur les plateaux semi-désertiques de Nioro. La branche malienne de la famille continue de soigner ses liens avec celle qui est restée au Sénégal, pays dont le président, Macky Sall, a accordé un passeport diplomatique à Sédou Kane, avec la distinction d'ambassadeur itinérant. 4. Les Kane, ses arrière-grands-parents, sont des Peuls. Originaires du Sénégal, ils sont arrivés au Mali lors des grandes conquêtes musulmanes, raconte l'entrepreneur. Ils ont fini par s'établir sur les plateaux semi-désertiques de Nioro. C'est en 1985 qu'il émigre au Gabon. Sitôt arrivé, Kane se lance dans le commerce de détail, puis devient importateur touche-à-tout, avec une préférence pour l'électronique. Plus tard, il se diversifie dans le BTP et fonde le Consortium International des Travaux Publics, CITP. C'est son entreprise qui a construit le gymnase et l'internat du Pritané Militaire de Libreville, ainsi que le complexe sportif du FC 105 à Ovendo, mais aussi les logements de la garde républicaine dans le quartier Ondongo de la capitale. Dans sa région natale, désertique et pauvre, Kane a construit un barrage qui permet aux paysans d'irriguer leur culture. Il a fait construire des écoles, un centre de santé communautaire et un réseau d'adduction d'eau. Il crée en 2015 au Gabon, la fondation Sédou Kane pour l'innovation et l'aide sociale s'est montrée active pendant le confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Elle a apporté un appui financier de 30 millions de FCFA, 45 735 euros, au gouvernement et a distribué des kits alimentaires aux populations des quartiers défavorisés de la capitale. Après une trentaine d'années passées au Gabon, le puissant homme d'affaires s'est attiré de nombreuses faveurs, au Gabon et au Mali en passant par le Sénégal. Il s'est vu gratifié par chacune de ces trois nations d'un passeport diplomatique lui permettant de mener ses affaires sans embûche. Le 2 novembre 2015, il sort indemne du crash d'un avion de l'armée sénégalaise intervenu 30 minutes après son décollage de Nioro en direction de Dakar. Proche de Meksan Akrombessi, ancien directeur de cabinet du chef de l'État gabonais, Sédou Kane est l'un des plus importants propriétaires immobiliers de Libreville.